Et yo les citrons, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous voulez plus de vidéos sur Roblox, sur Adopt Me, sur d'autres jeux sur Roblox. Et aujourd'hui, on se retrouve d'ailleurs sur Adopt Me. Il y a eu une nouvelle mise à jour. J'étais censée faire un live, mais j'ai fait un live Yandere Simulator. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour le lendemain, tranquillement, où je vais découvrir cette nouvelle mise à jour. Et donc, bon, on commence par encaisser le petit chèque. Et du coup, c'est un événement. Un événement qui parle du nouvel an chinois. Et donc le nouvel an chinois, donc qui nous apporte 4 nouveaux pets, Oxbox et Guardian Lion. Alors est-ce que ce serait est-ce que le nouvel an chinois ce serait parce qu'en fait les nouvel an chinois c'est un peu genre c'est chaque année c'est un animal entre guillemets, et s'il propose le lion, donc je suppose que le nouvel an chinois, bah cette année c'est le lion. C'est magnifique parce que moi je suis Lion, dites-moi vos signes astrologiques en commentaire les amis. Et donc il y a également un nouveau stand lunaire et nouvelle maison lunaire et du coup de nouveaux objets en relation avec le nouvel enchaînement. On va découvrir tout ça. J'ai envie d'aller voir ce... Ah, il faut des Robux et ouais, play. Donc on va mettre... on va mettre par an, là, on est pas là pour farmer le game, on est là pour découvrir. Jouez votre propre musique à la maison en utilisant une radio, donc non, c'est bon, ça ira. Alors, on va voir un petit peu en termes de nouveautés. Donc là, actuellement, ma maison, elle est pas fifou, hein, on va pas se mentir. Mais on va aller regarder un petit peu les nouveautés. Alors, est-ce qu'on peut voir, on va voir changer de maison, on va aller voir, ça c'est ce que j'ai, donc on va marquer, on va chercher la nouvelle maison, donc c'est Lunar House, elle a l'air sympa, mais sans plus, je pensais que ça allait être mieux que ça, genre plus grand, avec un petit jardin, peut-être un petit cerisier, ce genre de choses, ce genre de bail, mais bon c'est vrai que c'est nouvel en chinois et pas nouvel en japonais, hein, mais c'est assez sympathique la nouvelle maison. On va regarder les affaires. Je voulais surtout voir la maison en premier. Maintenant, on va regarder un petit peu les affaires. Donc, pour les affaires, c'est tout ce qui est nouvel an chinois. Donc là, on les voit en bas. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, en vrai, ouais. Voilà, c'est cool. Peut-être le wooden shower, il a l'air sympa. La douche avec du bois, j'aime bien le style. Mais sinon, en soi, je suis pas hyper fan des affaires ni de la maison. Par contre, le pet m'a l'air quand même beaucoup plus intéressant, donc on va aller découvrir le pet, on va aller voir un petit peu sur la place publique pour voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau en pet, donc n'oublions pas qu'il y en a 4. Lunar Ox, donc ça c'est une vache, hein. On dirait, on est d'accord, c'est une vache. C'est un nouveau pet, et si on a quoi? On a une voiture qui fait pas, enfin à part avoir mis les couleurs rouge et doré, c'est un petit peu dommage, genre j'aurais bien vu un dragon dessiné sur le côté. Ça aurait peut-être été mieux. Ici, on a une petite boîte. Et ici, on a le dragon. Enfin, le dragon, pas du tout. Le lion gardien. Et il va rester dans le shop de façon permanente. Donc ça va, on n'a pas besoin de se dépêcher pour le prendre. Par contre, moi, j'aimerais bien voir du coup les deux autres pets. On va aller sur le stand directement. Et on va regarder un petit peu ce que le stand nous propose. Ah bah tiens, c'est ici en fait. Hein, on est déjà sur place. Là, il y a quoi? C'est un sort de petit berceau, c'est quoi? Moi, on dirait un berceau. Ici, on a des fruits, et là, ça doit être un jouet pour les bébés. Ça m'a l'air sympathique, mais en soi, ouais, je suis pas... Je trouve qu'on a eu des événements qui étaient bien plus sympathiques. Maintenant, j'aurais bien aimé voir les autres. Tu ferais en péter d'air. Donc ça, c'est un ox normal. Donc, il y avait le lunar ox. Le Ox, ça doit être le pet normal. Par contre, j'aimerais bien voir les autres. Est-ce que le petit dragon, là aussi, c'est... Ça en fait partie? Comment je fais pour voir les autres animaux? Je veux bien voir les autres animaux, là. Les autres pets que ça nous propose. Ah, j'avais pas vu ici, regardez. C'est la sorte de truc pour sauter. Je sais pas comment ça s'appelle, cet objet, mais... Il est cool. Il est pas mal cool. Je comprends pas très bien ce panneau. On a combien d'argent, les amis? On a combien de sous? On a assez d'argent. Bah écoutez, je vais prendre une box. On va voir. Acheter box. Acheter. Et dedans, on a... Ok, on a le ox normal. On a eu un ox basique. D'accord.
Donc bon, j'ai pas non plus assez d'argent pour m'amuser à prendre plus de box, parce que bon, on va dire que il faut que je personnalise ma maison un de ces quatre à un moment donné, parce que bon, ma maison elle est pas ouf. Mais en tout cas, vous découvrez un petit peu les objets. Dommage, je peux pas vous montrer tous les animaux, je ne sais pas comment vous les montrer. Et moi-même, j'aurais bien aimé vous voir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment faire pour la prochaine vidéo. Et écoutez, voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer qu'il y a un nouvel événement sur Adopt Me. Et moi, du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis, bisous à vous.